comment ça va? Thank you.
S'il vous plaît, la 5 minutes, une minute de silence. Famille Mama, ma personne de Mingi, la présence de la ville de Mozaliawa. Dino Soboyevi, pourquoi vous allez en Léon, qui a accueilli Aza Maman Nabisonio, son maman Mounenne. Azalaki, maman Mokonzi, maman Banaye, la tante de Mama, Azalaki, premier commissaire en chef de l'époque à la Belge, la tante Wana, qui pose à la Moutou, Mayenne, Wana, La personne de Boton de Mingi. Amen. La grande suite est la félicité, comme M. Loba. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent et pleurez-vous avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Donc, tu vous en mets tant au moins à la réflexion, de vous partager la parole de Dieu. Je crois que comment est-il coutume de la mission et pas. Nego azole la passe de vos kabula mawa, zama permettra mingi de vos kamalmanae. Peut-être que vos zongi s'habitent dans cela. Amen. Amen. Yango, vous avez la dimension prière. Alléluia, Amen.
Amen. Moi, la socasse pour toi, tu es baga, mais le sang au bas, à pécher la date. Amen. Mais à Iwa, voilà, ça c'est qu'un ami. Amen. Dans le temps de la Bible, il y a Luc, chapitre 16, Iwa, il y a l'homme riche, la pauvre Lazare. Amen. Amen. Luc chapitre 16, verset 19. Bible, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Amen. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Je connais Philo Isaac. Je l'ai fait Isaac. Alléluia. Bible seulement. Il s'écria, Père, la femme de pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre qui est le mal. Abraham me dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que Dieu a ressuscité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. Amen. Tu seras assez fêlé, ou bien tu seras emporté par les anges. Alléluia. Au sein d'Abraham. Alléluia. Et bataille ici, monsieur Soussou. Deux sortes à une voix. Ne veux pas être toqué, ceux qui nous t'accouffent, ou là, le souci dans l'au-delà, et dans la descente. C'est-à-dire, séjour des morts, regardez, nous allons aller, il y a l'Ifélo, et paradis. Alléluia. Alors, chaque moutou, dans le message, Oyo, Tokoyouk, il y a mon roi, comme il y a là, à Zawa. Alléluia. Bible le bien. Homme riche. Donc, à la fin, il n'a pas une news. À ça qu'on l'a bien, qu'on l'a bien. Donc, à ça la Bible, ce que le plus riche, c'est qu'il a fait la richesse. Amen. Il a compris ce qu'il a fait. Bible, je le vois. Bible, la Christine, je le vois. Donc, on ne peut pas vous dire que ça. On a. Et c'est mon essai. Alléluia. 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 Alléluia.
Donnez-nous ce cœur de chair, papa, et donne-nous cette oreille spirituelle afin que nous puissions écouter ce qui va se dire ici. À ton nom, nous avons prié. En éloignant de nous tout ce qui est du malin, qui amène la distraction ou autre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de la mort. Parce que il semble qu'on parle de la mort. Nous allons parler de la mort et des morts. Amen. Amen. Parce que tous nous allons mourir, nous sommes des morts. Que nous le voulions ou pas. Et il serait intéressant de savoir l'origine de la mort. Pourquoi la mort nous frappe? Pourquoi la mort est sur nous? Quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, alléluia, l'homme n'était pas mort, mais Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu seras mort. Mais il s'agit de quelle mort là, que Dieu a dit? Et l'homme, après avoir mangé ce carreau-là, il s'est retrouvé qu'il était nu et qu'il connaissait beaucoup de choses à ce moment-là. Dieu avait prévenu à l'homme qu'il existait cette mort-là, qui était la séparation, la désunion entre lui, Dieu et l'homme. Le jour où il mangera. Et c'est ça la première mort. C'est la mort spirituelle que beaucoup de nous ne craignons pas. Nous ne craignons pas la mort spirituelle, la désobéissance. Nous craignons plus la mort physique. Mais elle est fatale. Elle est fatale, cette mort physique. Si je pouvais en chérir ce qu'avait dit mon prédécesseur, c'est que après leur mort, ils se sont retrouvés qu'il y avait un qui se comportait bien, appelé Lazare. Ce serait heureux si vous le seriez. Et l'autre parle avec la parole de Dieu. Chacun de nous est juge. On dit. Mais c'est difficile d'être juge et parti, mais moi je pense, dans la sincérité, chacun de nous connaît ses défauts. Alléluia. Amen. Et quand la parole de Dieu est prêchée, chacun se voit, il se retrouve, il sait que ça c'est moi. Ça ce n'est pas moi. Je ne voudrais pas toucher certaines sensibilités. Je parle peut-être aux personnes grandes, matures. Et sa vie est devenue ce qu'elle est. Chacun de nous le sait. C'est révélé qui a pris sa part alors que tout c'était pour lui a rappelé que chez son père, les gens sont heureux. C'est prendre cette décision de revenir à Dieu. Et Dieu nous attend. Il est là, les bras ouverts. Il ne dira pas que vous avez fait autant d'années dans la machine. Il ne dira pas que vous avez fait autant d'années dans des histoires qui m'honoraient pas. Mais il vous prendra. Il va vous donner la nouvelle robe. Il va mettre une bague sur votre doigt. Et à qui il a donné l'extérieur pour garder, et à qui on a donné la force. Irène Boka, dans le groupe Naye Kardasha,
Mon ami, notre couturier de la vie de Jatsunga, s'il dit, ça fait 19 Alors, pour être le numéro ma propre. Je sais le remerciement et apprécier Sax. Bon appétit à tout le monde. Bon dia madame. Elle est à bientôt quand on a fait Titon. Merci de la présence de Ville Nyonson.
Thank you.
Dans l'amour,
bénédiction. Un matin bénédiction.